Voilà la situation. Ningezoko Kinde. Banamboka Balobi. Rwanda is killing. Yango money marche. Yalelo Ningezoko Kinde. Voilà. Rwanda is killing. Money. Donc, la population a tellement déterminé ma casse, ma casse. Voilà. Désordre dans l'ambassade des États-Unis. Peuple congolais, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Sur votre chaîne Actualité TV, nous sommes là pour vous informer. Bande Kodangai, lelo na ambassade des États-Unis au Pessi Mwa Mwa Boy. Ba moto peli, ba komi partout, komelate. Bande Kodangai, les choses, eza kouinda kaka. Kumelate. Les choses eza kouinda kaka. Bande Kodangai. Les Américains, ce sont des traîtres. Les Américains, bazali bato, ouyou, troukou, koupé, sabango, confiance, te. Aujourd'hui, la population congolaise se lève pour réclamer ou soit demander le départ de l'ambassade des États-Unis en RDC. Parce que nous avons compris une chose. Oyezali que non, les États-Unis aujourd'hui, bah, comme ça, là, bah, complot contre la République démocratique du Congo. Parce que, tu yé, bibi, sonne, surtout les États-Unis aujourd'hui, bah, on va, comme ça, se rallier derrière le pays, oye, comme ça, là, biso, mabé. Premièrement, les Rwanda, bah, qui y, na, na, Ouganda, Brazzaville, n'en parlons même pas, et voire même, bah, n'y a qui déjà, bah, côté ça, déjà, Angola, déjà, na, COP. C'est pourquoi la population congolaise bah, s'est levée, bah, télévise, bah, lobby. Non, non, cette fois-ci, plus question. Cette fois-ci, plus question. Plus question de continuer les complots, ou ça, de continuer de collaborer avec les États-Unis. Merci. C'est bon. Alors, Bande Kunangai, les États-Unis aujourd'hui, Bazali bato oyo toko benga bango ba hypocrites. Ce sont des personnes oyo bazako se comploter pour déstabiliser la RDC. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut tout ça là-bas marche. Il faut tout marcher, il faut tout dénoncer jusqu'au dernier souffle que non. Là les Américains ba komi koya na mboka na biso pour commencer à nous traiter ou soit à nous ou soit à chercher à balkaniser la RDC. Il y a une information que je vais vous lire, mais on est beaucoup plus du côté est, on est dans la deuxième émission. Mais tout ce qu'on a tendance, il y a Makambu, il y a ambassade, il y a États-Unis et puis relation avec les États-Unis. Aujourd'hui, le pays où tu as dit la front, ou soit le pays où tu as dit la front, ils allaient. La Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Japon. Les Américains aujourd'hui, ce sont des hypocrites. Pourquoi je dis cela? Bazali bato oyo beaucoup plus batala ka ba intérêt na bango moko personnel. Contrairement à la Russie, à la Chine et tout, les Américains aujourd'hui, c'est eux qui sont à la base, il y a des atrocités, il y a des génocides où ils sont dans l'est de la République. C'est pour cela que vous remarquerez, depuis
la déclaration moko hautement prise par le président de la République de déclarer la guerre avec le Rwanda, qui est l'ennemi numéro un de la RDC. Anthony Blinken, secrétaire général ya États-Unis kuna, ils ont pris la décision d'aller collaborer ou soit de négocier avec les pays qui sont en train de qui participent à la SADC pour le parler en disant que non, il faut changer votre mission parce que la mission de la SADC était d'être offensive pour beta Munguna, pour attaquer Munguna ou alors pour bundisa biso na est de la République. C'est ainsi que il y a une information, ça reste à vérifier, mais je vais le dire parce que ça commence déjà à circuler dans la toile. Il y a une délégation de la Russie à Mboka na biso. Il y a une délégation ya Russie à Mboka na biso. À lire au makambo komi ko kendele maintenant, le président Poutine a décidé d'envoyer une délégation russe pour collaborer avec le président Félix Antoine Tshisekedi, continuer notre collaboration approfondie et puis donner notre chance, ou soit donner toute la confiance à la Russie et puis la Chine. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les Américains, si Bazako comploter contre la RDC, contre le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est parce qu'ils ont compris que non, la RDC est en train de s'élever, ou soit la RDC, ils ont commencé à prendre pour ma grande puissance. Parce que à chaque fois que non, le monde est multipolaire. Tout en a reçu, tout en a RDC et puis tout en a la Chine. Alors, Mundele a émis déjà stratégie. Le blanc aujourd'hui, les Américains ont compris une chose que non, la RDC n'a tant au tokomi kokende, tokomi ce kokende, ce qu'on a n'engé que non. Toko ma grande puissance. Parce que tous les minerais du monde, au bon moment, il y a des minerais, tous les minerais du monde, ils allaient dans le cannabis. C'est pour cela, vous remarquerez que non, la communauté internationale va se réunir pour Nakoya ou créer un plan diabolique pour déstabiliser la RDC. Bande Kouranga, il peuple congolais, vous qui nous suivez de partout. Vous avez suivi la vidéo au début. Comment est-ce que des motards se sont mobilisés pour aller manifester devant l'ambassade des États-Unis et puis réclamer l'arrivée, ou soit de réclamer une collaboration sincère et puis fiable et puis neutre et puis apaisante avec la Russie. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, délégation en Russie n'a pas de cannabis. Certains Congolais yango moni les États-Unis tant la moni délégation en Russie et awana RDC directement a commis que ça la mascarade ya ko sanctionner Rwanda, mascarade ya ko sanctionner les M23 depuis toujours awa bande ko bisa biso te binonde bozali binonde bande ko nanga. Est-ce possible, Moutou, vous avez un partenaire privilégié, vous avez travaillé, mais ceux qui ont été tournés, si vous avez eu un peu de poignardé. Les Américains aujourd'hui, visitent dans le pays, surtout africain. Beaucoup plus, beaucoup moins, Anthony Blinken, Jean-Pierre Lacroix, si je ne me trompe pas, comme vous avez moins un peu compliqué. Visite na bango nyonso tout ba ko sala na ba pays za ko entourer biso la plupart ezali ba pays où ils ont participé na SADC. Ce que plan na bango ezali nini? Plan na bango ezali nenge ba zo kuta na ba pays où ils ont participé na SADC ezali nini? Démoraliser le pays qui vont participer à la SADC, changer la mission de la SADC comme mayango na mission moko ya observation. Donc nyonso wana ingi ko loba nini? Pour na ko benda tant hein, parce que tant SADC a koya a koya na idée ya ko beta Munguna kokota Rwanda bombarder et tout, c'est pour cela beaucoup remarquer
Kagame a toujours des ailes jusqu'à présent parce qu'il y a des gens qui ont été soutenus, qui ont été soutenus, qui ont été lobbying. Parce que moto oyoyo aza vraiment na lobbying ité dans les biso parce que biso à chaque fois to dénonçaka massacre génocide na est de la république to sala kabo to sala kabo to sala kabo mais ce que nous comprenons ezali que non même il place on est tout au dénoncer ezala na na conférence ya oni ezala place union sorti to dénonçaka ba massacre ya RDC to dénonçaka to lobaka to lobaka to lobaka. C'est comme si les personnes qui sont à la tête y a ba organisation wana et ils ali pe le même personne OEOP bazali à la base de la guerre de la RDC. Aujourd'hui les Congolais se sont manifestés ou soit les Congolais ba siliki balobi non non non. Ils ont brûlé de punais. Ils ont écrit dans des papiers, dans des banderoles pour dire que non, Rwanda is killing. C'est pour cela que nous lançons ce message dans les Congolais, surtout au Bokolanda Biso de part. Même dans le cas, nous avons dit que nous avons dit que un drapeau, ou soit que nous banderole dans le cas, nous avons dit que Côte d'Ivoire. Hein? Nous avons dit que Rwanda is killing. Rwanda is killing. Pour être la communauté internationale qui est non, vraiment, la population en a marre. Ce qui est la population, c'est une ambassade. Ce n'est pas la première fois que la population a manifesté devant l'ambassade des États-Unis. Donc, problème, il y a une ambassade des États-Unis. Problème, il y a une ambassade des États-Unis. Mais on ne comprend plus, on n'arrive plus à comprendre pour ça ou soit il y a besoin de la communauté internationale. Minere na biso moko. Biloko na biso moko. Sko boni, bino boko luka à chaque fois, boye bana ko krele biso ba problème pour nan kouya ko déstabiliser la RDC. C'est pour cela, tous les Congolais que vous nous suivez de partout. Le Congo est pour les Congolais, le Congo est pour les Congolais de père et de mère. Toye bana te ko pesa monguna chance pour aye bana ko continuer na ba biz na la buzoba parce que il y a certains médias aujourd'hui, il y a ba YouTube, il y a ba télé ezali pro Rwanda ou soit pro communauté internationale. Bazali sousu ko sala musala te pour na kuya ko servir la République. Mais ba komi ko sala musala pour servir plutôt la communauté internationale et puis servir l'individu qui est Kagame et puis l'individu qui est Hippolyte Kanambe, Kazemir et Kabila naba Katumbi parce que ce sont des personnes oyoyo bazali pe na kati ya mozindo ya makambu mususu. C'est pourquoi bande konanga et vous qui nous suivez, n'ayez jamais donné confiance ya batu oyoyo bazali ko comploter contre la République démocratique du Congo. Les Congolais aujourd'hui se sont dit non. Na ba massacre au Zoko Salamana Est. Les Congolais aujourd'hui ba lobi te. Il faut to telemela Joe Biden. Parce que les parrains de toutes choses, les Américains, c'est Joe Biden. Ba noir et belé. Oh, ba dala kana na mboka oh, Virginie, si je ne me trompe pas, Virginie. Ba vota Joe Biden croyant que peut-être akouya ko memela biso loko moko ya malam. Mais c'est que nous avons compris que notre Joe Biden a zala qui déjà n'a intérêt moro quelqu'un. Yon moni, ba américain, ba zara ba raciste. Ndenge moro tout toko mona ana match ya biso na Maroc. Ba trita biso na ba propos moro raciste. Loko la ba yebi ke no ba tu o nenge zabwe, ba zana ba minere ya nenge na nenge. Ba zana ba mengo ya nenge na nenge. Loko la tozo luka to convaincre bango ezo simbate. Donc to luka to ko mata ko finga ka bango ko sala ka tututu esengi ba sala biso. Dénonçons tous les actes barbares ou soit tous les actes ya génocide aux zoninga isa na mboka na biso. Une délégation de la Russie ezala ki na mboka na biso. La question sur la table de la Russie ezala ki nini?
Mais tout d'abord, laisse-moi conclure avec ma camouille ambassade des États-Unis. Et là, vous voyez que ça, la biseau passe ses alliés, non? Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, la population aujourd'hui en a marre, il y a contrat ou soit collaboration de la biseau aux États-Unis. Parce que les États-Unis, aujourd'hui, les Américains, tout le monde a l'air, il n'y a pas besoin de s'arranger, il n'y a pas besoin de lobbying dans le pays où ils ont entouré biso pour qu'il y ait un bon moment pour les Congolais. Vous avez regardé la vidéo. Vous avez vu comment est-ce que la population va télémi, va motard, va siliki, va lobby. Non, cette fois-ci, il faut que nous ayons un souk. Anthony Blinken, wa. Combien de lobbying a sali dans le pays pour entourer biso? Et puis, la plupart des capitaines, si je ne me trompe pas, des capitaines, des généraux, au Bazali dans l'Est. La plupart d'entre eux basali financés par la communauté internationale. Nakotang la bido kombo ya capitaine moko batinla ki biso message. Attendez. Nakotang la bine yango. Il est corrompu par la communauté internationale et puis corrompu par Kagame. Mais il est congolais de père et de mère. Bande konanga. Il est congolais de père et de mère. Pas si vraiment la makambo ezali komona congolais de père et de mère. Nengini akosala. Boyoka. Tukutani po oz, tukutana po ozwa information ya mwana azalaka sniper. Bakenda ki 120 militaires na este. 120 militaires bakenda ki este. Na 120 militaires baninga na ye bakufi suite ya trahison ya un officier mouluba ya kanga. Ya kanga kombo kombo na ye Alain Katende, un officier na kombo ya Alain Katende asali trahison parmi ba 120 militaires au bakenda ki este. Alain Katende, je cite son nom déjà, Alain Katende asali trahison na 120 militaires wana kaka 5 nde bazongi. Regardez comment la communauté internationale, regardez comment les États-Unis et la France, Kagame, ils sont là à corrompre même les officiers congolais, oyoyo, bazali de père et de mère, mais bazali qu'on s'est laissé faire, être corrompre par la communauté internationale au bénéfice de construire Bandaku, Kusumba Mamituka, Kuzana Basi à Pembe. Kola ta bien, ma kamboutou bien. Mais batou, oh, ba koufi na ebite soki bango na moutou na bango ba mouni bango ba ngombe, ba mouni bango toni. Tout continue l'article pour vous comprendre. Alain Katende, en complicité na général Toumba, ya maison civile, ya chef de l'État, awa ba zongi kaka 5 personnes, grâce ya ndeko oyo, aza policier kounande ba mou nani. Général Toumba, un traître aussi, par rapport à un message au Batine de Libisou. L'information reste à vérifier, Bande Konanga. Wana Ezali, papa Moko Bouya Tine de Libisou, Tokotanga Kombo na été parce que a Bouyaki. Il y a même des audios. Il y a aussi des audios où Ezali, a Tine de la Kibisou, Bokulanda Yango, Bokulanda Audio, Wana Ndenge Nini, Eleki. Mais et le que ça libisso passe sur ces sujets, ils ont dit que de voir les Congolais de père et de mère trahissent la RDC, les drapeaux congolais, pour un bénéfice, il y a un bon, on a mouru à poche. Alain Katende, un officier qui a créé la trahison pour un couillard pour Boumissa, plus de 120 militaires pour bâtir à la 5. Vous voyez comment la communauté internationale a joué dans les Congolais. Vous voyez comment la communauté internationale a joué dans la corruption. L'ambassade des États-Unis aujourd'hui, nous demandons le départ immédiat de l'ambassade des États-Unis. Parce que tout le monde dit que c'est un hypocrite. Tout
tokondima lisusu te tovana na bato oyo bazali ba traître ba audio ezali ebele mais tokoyo kisabino audio moko ya 2 minutes et puis o a 12 minutes bokolanda yango normalement ndenge esengeli bolanda. Alors na finir na conclure président de la république la délégation de la Russie oyo eyaki na mabele na biso. Je vais faire une analyse de 2 à 3 minutes et puis nous allons passer pour ma kambouya ba audio. La Russie aujourd'hui aux demandes des Congolais, ba Congolais ba leli ming. Nous voulons la Russie, nous voulons la Russie, nous voulons la Russie. C'est pour cela que le président russe Vladimir Poutine avait envoyé une délégation russe pour venir parler ou soit répondre à la question d'une collaboration directe avec la Russie. Parce que, biso na minute ou to komi ko préféré ko tout aux alana ba russe, ke tous alana ba français, ou soit tout aux alana ba, na ba américain. Surtout ko tout ba américain, to koki jamais ko zala sur na ba parce que ce sont des traîtres à l'œil nu. Parce que le pays, ils en a besoin, il y a très traité. Le pays a besoin de personnes pour soutenir Bissot pour de vrai. La question qui était sur la table de la conférence où il y a délégation à Russie, c'est là qui, comment créer ou soit comment développer profondément la relation militaire avec la Russie. Parce qu'au moment où nous sommes, plusieurs armes que nous avons achetées, ou soit nous avons commandées, que nous utilisons aujourd'hui à la République démocratique du Congo, à l'est du pays, et ils ont armement moko oyo witi na est de la République. Et witi plutôt na Russie, na Chine. Mais beaucoup plus, notre collaboration, ils ont mis na Russie, Chine aussi en fait partie, et puis na Corée du Nord, bah, Japon. Mais déjà, tant ou kaka, les Américains ont compris qu'il y avait une délégation russe et qui n'a pas bien abissé. C'est ainsi que bah, comment qu'il faut créer les bissos bah, manœuvre mon corps. Directement, bah, ça dit déclaration OK, tu condamné déjà M23, bah, bah, no, calme, bah, comment qu'il y a bon. Donc, il joue au shipper. Ou soit, il joue dans la stratégie mon corps, le rôle à mon abissé, bah, na miki. Bande konara. Aujourd'hui, nous voulons que la RDC évolue comme il faut. Nous voulons que tout Congolais bénéficie de ses biens. Les minéraux de la RDC qu'on a partagé dans le pays, oyoyo et kondima, tout ça là, 50-50, 50-50. Biso soki tout ça là, bah, matériel, t'es. Bino boye na ba matériel, to collaborer, to transformer ba minerai na biso. Bino bozi pourcentage, biso bozi pourcentage. Non ke boye ba ba minerai, bo bo ma ba Congolais, pour na bénéfice na bino. Mboka la bino ekende liboso et tout et tout. Nous voulons que la RDC est comme capable de refouler. C'est pour cela que nous demandons au président de la République. Bon, tonge la biso kaka mir avec les Rwanda. Na frontière Rwanda, bo tchele biso kaka mir. Toutes les coopérations militaires, ou coopérations, ou commerce, ou kende ko somba bilo kona Rwanda, ou ba Rwanda bayaka ko somba bilo. Nous voulons plus de ça. Parce que c'est des genres de choses, il y a un peu de coach la biseau des ordres de la moque. Même l'Ouganda aussi. Parce que dernièrement, ils ont qui na dans la bien dans le contrat, moko, si je ne me trompe pas, ou soit na coopération, moko, ton avis, signé, ou soit tu signé qui na Ouganda, il y a que ce que nous avons de Ouganda, ou foutre sous visa. Donc, au côté de suppression de visa. Il y a Ouganda, RDC, RDC, Ouganda. Et là, wana ezo risqué écoute la biso ba terroriste ba génocideur. Déjà, na émission de celle qui bino lobby to démontrer qui bino comment est-ce que les militaires ougandais ba kota qui na marché à Kasindi illégalement. Et puis plus chose bizarre c'est que non bo koti na pays à batou et puis vous commencez directement à piller les biens de la population. À menacer la population, intimider la population qui était assise ou cette la population qui vendait pour na, au bénéfice nda kuna e vivre et ça la bouille par comme ko piller bas une maintenant ba bourrette bas zo bablo ko ba piller bas zo tawana bas zo sala tout 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 bande kunanga le Congo est pour les Congolais. Vous qui nous suivez de partout, sachez le bien que non
moto ekopela na ambassade ya États-Unis. Si les Américains, ou soit si la communauté internationale va blâmer la population congolaise, là, on va assumer. Parce que aujourd'hui, nous avons compris, tout le monde a compris, même, bah oui, bah comprendre que non, les Américains, bah zala qui, bah traître. Les Américains, bah zala qui, bah tu, oh, tu coquais, tu peux savoir confiance, ni tu peux savoir qui, bah autour de la question, la conférence, il y a Russie, il y a qui a wa délégation russe, La question était de renforcer le militaire. Il y a FARDC, comme Mabango, va avancer les sources davantage. Parce que au moment où nous sommes, nous voulons maintenant que nos Russes va renforcer, nous sommes dans nos véhicules blindés, dans nos drones, dans nos Sukhoi, dans nos Kambutu. Parce que les Américains sont capables de faire des armements, mais armement sont capables de faire des armements. Ils sont capables de faire des armements, des armements, des voitures blindées, des armements, 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 Azuba Congolais, Atindi, Mona Formation, mais na formation militaire, Mutao Koyoko, la formation militaire, Kobeta Mundu, Kinan Zete, Amanga. C'est grave. Donc, Asimin Zete, Amanga, Yoko, Kobeta Mundu. Alitanga, comme un champ de bataille, oui, Aoi Bate, Bagbenda, Rande, Nin, Basalakane, donc, Mutasimin Zete, Amanga, na champ de bataille. Mande Konara, délégation RC, déjà, Eza Awa. Nous allons nous attendre dans ma camouille à Malamou, Boyeba, Yango, que le président de la République, de tout pour nous déstabiliser les complots de la communauté internationale, qui est les Américains, les Français, les Allemands, et puis Londres, où nous allons comploter pour nous faire et puis pour renverser le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Toi qui sabi non non audio moko et puis audio mususu beaucoup landa yango na fin émission. Bonjour papa Hubert, bonjour. Vraiment. Makamunyo so lobi ezaya solo ya solo ya solo. Ah tozo vivre na ba Rwandais. Tozo vivre na ba soldat Rwandais, tozo vivre na ba ministère Rwandais, tozo vivre na ba na ba général Rwandais. Mais ce qui est nommé bango lisusu, mais azo tinda bango ka côté na bango wana, okende kosala musala côté na bango. Bakosi o biso toza ba congolais, toza ba tuangu, soki wapi, soki wapi. Lokuta baza ba Rwandais. Lokola gouverneur ya Goma. Azo mobala camarade na ngai. Zo mokona ki kuna epa na bango. Bahutu na batusi bazaye panaye. Alobio soki bakotani bakobunda bawe bakobimela na porte ya sili. Nde mosina ya lobi yazalaka mokonzi vraiment makambo azosala tala moto aboye apres otindi kuna apres otindi bamosusu kuna apres bamosusu otie bango na arme na yo vraiment na arme na yo bato aboye okebulunga ndeni tozovivre ba Rwanda. Bango moko nde bazo trahir, bazo kosa bazo trahir, na bandeko na bango bazo trahir, bazo kosa kosala, bazo kosa kokosa 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 me ye moko preza ye moko Tshisekedi wana nde aza mayele te. Omoto alobi ya solo ya solo. Koyokana wana bazolinga toyokana na ba M23 po ba Rwanda lisusu bakota, basoda lisusu bakota. L'armée congolaise va tondre, va comme épeler, c'est quoi ton souk à wap? Kuna na ba Lubumbashi, ba généraux, ba te baza na ba poste, na ba colonie, kuna ba généraux, ya ba Rwandais, ye bisangai. Ton souk à wap na Congo, yo ton souk à ngo wap? Akoki ko fungula mutu na yeta maele te, na mwasi ya Rwandais wana atondi si enandako. Voilà, vous avez suivi l'audio en question. Gouverneur Oyazali Kuna Nagoma.
le nom m'échappe. Ye moko na katanda kunae azalina ba Rwandais. Ko ye moko gouverneur déjà azana ba Rwandais na kati ya yanda kunae. So boni boni akokoma na monopole ya koyeba na ko dénoncer les Rwandais lisusu oyo ba liko sala ba désordre. Mokonza mboka na ba nomination yo moko il faut otamutu. Parce que nous risquons de voir un Rwandais lisusu nommé pendant votre mandat. Tous vous risquez de monter lisusu Rwandais moko, bah nommé lisusu pendant votre mandat où il y a 5 ans. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous dénonçons jour et nuit que non, il y a des déraillements dans certains lieux ou c'est dans certaines provinces. Où ils allient que non, bah Rwandais bah comme ils occupent, hein, même gouverneur. Déjà du côté, ah on a vu la Kinshasa tokoyane n'engagne tout développer le sous marambu ya Gentil Ngobila. Il paraît qu'il y a ça là qui marche en qualité de qui? Un génocidaire, mutasé la biso massacre ya Yumbi. Déjà cour de cassation, j'espère que non, il est temps ya kotombo la dossier ya Gentil Ngobila bo benga enan. Parce que Gentil Ngobila alinga se comparer peut-être un sous alinga mimo na comme mon konza mboka tonane. Voilà, suivez l'audio en question autour ce qui bino et puis yango pe et clôturer émission na biso. Voilà la situation ndenge zoko kende bana mboka balobi Rwanda is killing yango money march. Il y a le lot qui est là. Voilà. Rwanda is killing. Donc la population a tellement déterminé. Ma casse. Bon, c'est un peu étonnant d'entendre notre frère Magloire et Paloko parler du dialogue. Parce que si vous allez à la guerre, vous n'avez pas de famille là-bas, il y aura des morts. S'ils prennent Goma, ils vont commencer à ravitailler et ils vont nous mettre dans une situation difficile. Le dialogue n'échoue jamais, nous devons aller au dialogue. Mais mon frère Magloire, mais vous dites des choses, c'est comme si vous n'avez pas étudié, mon frère. On a eu le dialogue de Tande Kabila. Peux-tu nous expliquer d'où sont venus les 15 millions de morts à l'est du Congo? N'est-ce pas à cause de ce dialogue-là? Vous avez eu le dialogue. Le dialogue, on vous a infiltré jusque dans vos os. Le dialogue a fait que vous ayez une guerre sans fin où les gens meurent pendant plus de 30 ans. Vous avez eu toujours le dialogue, non? Avec Kabila, vous avez eu le dialogue? Pourquoi vous avez repris la guerre? Donc, pour vous, les dialogues nous donnent la paix. Mais pour moi, je vous dis que les dialogues nous ont donné la mort. Les 15 millions de Congolais qui sont morts, c'est à cause du dialogue. Il faut dire la vérité aux gens. Ces dialogues-là, on a mis les gens dans l'armée. Il y a eu l'infiltration. On a violé nos mamans. On a violé nos grands-parents. On a violé nos sœurs. On a violé nos bébés. Après les dialogues, non? On a tué les Mwami partout à l'est là-bas. Dans toutes ces tribus-là de l'Est du Congo, on a tué des chefs coutumiers par des Rwandais Tutsis. Mais c'est avec le dialogue. C'est avec le dialogue qu'il y a eu toutes ces bêtises-là que vous me parlez, que non, allons-y au dialogue. Vous allez au dialogue, mais avec les CNDP, on a eu un dialogue. Et puis par après, on les a embauchés dans l'armée. Il y a le RCD Goma qui est sorti de là pour dire, nous voulons ceci.
Il y a eu les dialogues avec les RCD Goma. En dehors des RCD Goma, il y a encore un groupe qui est sorti après ce dialogue-là. Ce que vous appelez M23. Il y a eu les dialogues avec M23. Ils sont encore entrés dans l'armée aussi, comme parce que les RCD Goma sont les Roubérois qui sont devenus les vice-présidents du pays. Vous les avez mis dans votre armée. Ils ont amené leurs frères rwandais dans votre armée. Ils vous ont infiltré en tout à cause du dialogue. Maintenant, c'est le M23 qui nous fait la guerre. On va maintenant aller négocier avec le M23. Et puis, les EFC, je ne sais pas si c'est l'Alliance du fleuve Congo, va aussi venir demander aussi le dialogue. Finalement, vous aurez tous les Rwandais au Congo. Est-ce que vous n'avez pas de tête pour comprendre qu'on ne peut pas aller au dialogue? Nous allons au dialogue, il y a 15 millions de morts. Allons-y à la guerre et comparons combien de morts nous aurons. Je doute fort que si nous allons à la guerre, nous aurons 15 millions de morts que nous avons eu pendant 30 ans. Non. Changeons de stratégie. Cherchons des partenaires intéressants qui peuvent nous donner des armes. Quand nous échouons la guerre là, c'est parce qu'il y a eu le dialogue. Leurs frères sont là en train de nous trahir quand nous avançons dans la guerre. Et puis, ils les relâchent, ils disent le secret et puis nous tombons. Bon, coupons les relations. L'armée congolaise doit chasser tous les étrangers d'origine rwandaise ou ougandaise. Tout celui qui n'est pas congolais dans cette histoire-là doit quitter dans l'armée congolaise. Et nous refusons le dialogue. Je ne crois pas qu'on va échouer cette guerre-là. Nous l'échouons parce que nous avons des généraux qui sont des Rwandais, qui sont encore là. Nous avons des colonels qui sont des Rwandais, qui sont encore là. Il faut les enlever, eux tous. Toute personne qui vient de l'Est du Congo, qui a un parenté au Rwanda ou en Ouganda, ne peut pas servir dans l'armée à l'Est du Congo. Ou il va à l'opposé de l'Est du Congo pour aller servir dans l'armée s'ils ont un parent congolais ou quoi que ce soit. Mais il faut faire ça. Vous verrez que nous n'allons pas échouer. Si nous allons au dialogue, cela veut dire qu'ils vont aller chier sur les têtes de nos parents et sur nos têtes en nous-mêmes. Il faut comprendre que nous échouons, c'est à cause du dialogue qu'il y a eu. On a eu plus de 40-50 dialogues. Et nous avons échoué à cause de ce dialogue-là. Nous avons été affaiblis. Pourquoi nous avons une difficulté aujourd'hui? C'est à cause de ce dialogue-là qu'on a une difficulté. Maintenant, quand vous allez encore reprendre le dialogue, c'est quelle paix que vous cherchez? Une paix pour vous partager votre terre avec les étrangers, c'est comme si un homme fort vient chez vous, il vous tape, il vous dit, pour que je vous laisse en paix, laisse-moi coucher avec ta femme, laisse-moi coucher avec ta mère. Toi, tu dis, bon, vous savez, il est fort, hein? Je ne peux rien faire, allez, couche avec ma femme, couche avec ma mère. Qu'on vive, c'est pas dans la paix. Non, il faut accepter de mourir, point trait. C'est ça être un homme. Vous pensez que le dialoguer, c'est être un homme. Quand vous dialoguez, vous êtes des lâches. Les États-Unis, on a tué 3 jeunes Américains en Iran. Ils ont bombardé, ils ont attaqué. Il n'y a même pas une semaine que cela est arrivé. Mais vous, on vous demande de dialoguer avec les étrangers et vous acceptez. Vous ne pensez pas que c'est une distraction. Donc, quand vous avez appris à l'école que dialogue veut dire chercher la paix, c'est comme ça que vous venez nous dire que non, il faut dialoguer pour qu'il y ait la paix. Or, toute fois que nous avons dialogué, il n'y a jamais eu la paix. C'est-à-dire que ce dialogue-là, c'est un poison qu'on vous donne. Alors, arrête de dire aux Congolais qu'il faut qu'on dialogue. On ne peut pas dialoguer avec celui qui a violé votre femme, qui a violé votre fille de 1 an ou de 2 mois ou votre bébé, qui a violé votre femme ou votre mère. On ne dialogue pas avec ça. Il faut être fou pour réfléchir comme ça. Même si tu es faible, tu deviendras fort. Va t'entraîner. C'est pourquoi le Kofé, les Congolais, les pasteurs qui est aux États-Unis a dit, même les enfants des enfants de nos enfants reprendront, nous ne perdrons jamais même 1 centimètre. Mieux vaut qu'on continue. Qu'on nous prenne nos terres de force que de les donner dans les dialogues. Jusqu'à ce que vous allez revenir pour les répondre. Mais il ne faut pas accepter des stupidités parce que, vous savez, Goma va tomber. Mais c'est ça, c'est une logique normale hein, d'un homme intelligent, mais qui a un seul cerveau. Non, vous savez, Goma va tomber, nous devons négocier. Mais nous avons négocié combien de temps? Est-ce qu'il y a eu la paix au Congo dans toutes vos négociations que vous avez eues là? Kabila a négocié avec eux, avec ses frères rwandais certainement. Et aujourd'hui, ces mêmes frères-là ne sont pas satisfaits, ils réclament toujours. Ils se prônent pour être minoritaires. Est-ce que vous croyez que c'est le Tutsi qui est minoritaire au Congo? N'est-ce pas, nous avons des tribus très minoritaires au Congo et qui vivent, qui n'ont jamais même été, pas même ministres. Alors qu'est-ce que vous allez dire de ça? Donc vous devez nous faire vivre dans une imbécilité totale où nous devons seulement négocier parce que nous sommes faibles. Non, comme nous sommes faibles, on ne négocie pas. Voilà ce que moi je peux vous dire. Si vous vous croyez dans un Congo ou dans un monde où les gens négocient, il faut comprendre que sur la terre là,
tu négocies pas à propos de ce qui est à toi. Tu comprends? Tu négocies pas pour ce qui est à toi. Même si vous ne me croyez pas, ne permettez pas cela pour vos enfants. Dites à vos enfants, moi votre père j'aime négocier, mais dites à vos enfants, ne négociez jamais. Moi je suis vos enfants là, je ne négocierai jamais. Je peux être impulsif, le dialogue n'a jamais amené la paix au Congo, le dialogue a tué le Congo démocratique. Donc, le fait de négocier, c'est démontrer que vous êtes incapable, c'est être lâche. Mieux vaut mourir tête haute que de s'agenouiller, être esclave des esclaves. Il ne faut jamais pas accepter ça. On ne peut jamais être esclave des esclaves. Il faut dire non et il faut se battre. Un jour ou l'autre, on va vaincre. Même s'ils nous prenaient notre terre, nos enfants reprendront cette terre-là. Mais il ne faut pas venir faire croire aux gens que non, vous savez, il faut négocier parce que Goma va tomber demain. Si ça tombe, nous serons ridicules. On a toujours été ridicules. Ça fait 30 ans que le Congo est ridicule. Je dis bien 30 ans que nous sommes ridicules. Mais toi, tu veux nous donner quelle paix que tu vas nous donner? En cédant nos terres pour avoir la paix? Et vous croyez que ces Rwandais-là, cette fois-ci, si vous négociez avec eux qu'ils prenaient vos terres, vous croyez qu'ils vont vous les redonner? Mes Américains vont venir mettre leurs appareils et consorts, ils vont leur donner les armes de terreur, et c'est fini, vous ne reprendrez jamais vos terres avec une négociation diabolique que vous avez, et vous croyez que cela va nous aider. Ça, on ne négocie pas. Nous acceptons. Mieux vaut mourir que d'aller négocier avec les ennemis du Congo qui vous ont tué. Vous, vous êtes de l'Est. Moi, je ne suis pas de l'Est. Comment vous n'avez pas les soucis de vos frères qui sont morts? Ça fait 15 ans, 30 ans. Ils sont plus de 10, 15, 16 millions qui sont morts. Vous n'avez pas les soucis pour eux. Mais vous avez les soucis d'aller négocier pour vous distribuer le pouvoir. Voilà ce que nous ne voulons pas. Et aujourd'hui, à Kinshasa, les ministres qui sont élus députés, et tous veulent encore revenir, ils veulent encore rester pendant qu'ils sont députés. Or, la loi refuse. Ça, c'est ce qu'on appelle la complaisance. La loi, il faut la respecter quand même. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde où il n'y a pas de loi. Donc, tu es voté député, et puis au moment de travailler, tu veux aller à la Cour constitutionnelle pour demander que non, et que la Cour constitutionnelle puisse vous donner un droit de continuer à être ministre. Mais c'est quel pays qu'on vit comme ça? Un pays qui aime toujours réfléchir dans les stupidités, où on ne comprend pas qu'à un moment donné, on ne réfléchit plus, on agit. Quand vous êtes député, vous arrêtez, vous partez. Si un gouvernement est fait qu'on vous votez encore, ou bien vous choisissez, vous pouvez revenir pour être ministre. Mais ce n'est pas un pays d'un groupe d'individus qui sont là-bas, qui est ministre, qui est député, et qui ne veut jamais laisser les postes ministériels, mais qui est député. Non, c'est faux. On ne peut pas accepter ça. À un moment donné, le peuple est fatigué, et on ne va plus prendre ces bêtises-là, et nous sommes fatigués pour tout cela. Une négociation avec le Rwanda, c'est vendre le Congo. Voilà ce que je peux te dire à la fin de ce que je dis comme explication. Négocier avec le Rwanda veut dire vendre le Congo au Rwanda. Il n'y a pas une négociation avec ce peuple-là, un peuple mauvais qui veut seulement prendre ce qui est du Congo et nous déstabiliser. Nous sommes ce que nous sommes là. On ne réussit pas la guerre aujourd'hui. C'est parce que nous avions négocié et nous avions fait des dialogues il y a plus de 15-20 ans. Tout le monde a négocié avec ces gens-là. Ça n'a toujours pas marché. Vous croyez que quand vous allez négocier aujourd'hui, on va vous faire une paix bizarre, stupide, de 5-6 jours, et puis on va commencer à nous ramener encore en arrière? Nous sommes proches de la fin. Je peux vous garantir qu'on va gagner, qu'on perde même Goma, qu'on perde même le Sud Kivu. Nous allons toujours gagner. Tout ce qu'ils prendront, nous allons reprendre cela. Même les enfants de nos enfants reprendront cela. C'est comme ça qu'un peuple intelligent réfléchit. Mais vos parents vous laissent vos terres, vous restez négocier avec les ennemis pour donner vos terres et dire que nous voulons la paix. Vous êtes des lâches. Il ne faut jamais accepter ça. Voilà ce que j'allais vous dire. Vous négociez avec un groupe, les CNDP, ils deviennent les RDC Goma. Vous négociez avec les RCD Goma, vous avez commencé avec les Mwanga Chuchu, ils sont devenus des députés, ils ont pris des terres dans les Lubaya. Rubaya, ils sont devenus députés, CNDP est changé. Négociation, ils deviennent les RCD Goma. Vous leur donnez la vice-présidence avec les Roubérois, vous faites tout, et puis eux, ils restent, ils continuent. Allez, ils deviennent les M23. Vous négociez avec les M23, vous prenez des militaires rwandais, vous les mettez dans votre armée, vous ne continuez à négocier. Ça, c'est la troisième fois. Et puis les M23 et deviennent et les AFC. Finalement, les FC, vous négocierez avec eux. Demain, ils deviendront encore les RRCR.
Ça sont des bêtises qu'un peuple intelligent ne comprend pas venir nous dire un bon français. Vous savez, il faut négocier, il faut les dialogues pour qu'il y ait la paix, sinon Goma tombera. Même si Goma tombe, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des terres qui sont tombées et qui ont été reprises. Allez-y lire l'histoire. Les Français, ils avaient presque perdu leur terre. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu presque leur terre, mais ils ont repris avec le temps. Alors il ne faut pas nous dire des histoires pour dire on doit négocier, aller vendre nos âmes aux démons parce que nous devons négocier avec un peuple qui a toujours tué mon peuple, plus de 12 millions de morts, ça ne vous dit rien. Au lieu de réfléchir pour enlever tout ce qui sont étrangers dans votre armée et recommencer à consolider et à travailler, peut-être ça peut vous prendre 10 ans, 15 ans, mais vous aurez une armée finalement, vous viendrez vous défendre. Non pour vous, comme vous voulez manger les beefsteaks, vous voulez vivre dans la bonté, vous voulez la paix, alors allez, vendez votre terre pour que vous ayez la paix au nom du dialogue. Arrêtez cela, nous sommes fatigués, on n'acceptera pas. La jeunesse congolaise dit non. La jeunesse congolaise dit non et ça ne passera plus. Voilà ce que nous voulons. Qu'on aille à la guerre, qu'on nous tue, nous tous, qu'on vienne prendre toutes nos terres. Mais pas nous accepter de donner nos terres, on ne peut pas faire ça. Voilà ce que j'allais vous dire. Merci, au revoir.